Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont sur mon site de réservation. Donc je vous invite à visiter mon site de réservation pour me poser vos questions et réserver votre guidance. Pour les autres, pour ceux qui sont de nouveaux abonnés, comme pour ceux qui sont des anciens abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonné si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo pour vous. On va donc commencer. Lecture des balances. Cette vidéo sera la vidéo numéro 240 sur Vimeo, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, 4 h du matin, ça, non, mais quelle heure? 4 h 28. Hi, angels, please give me a reading for my Libra, please. Thank you. Can I please have a reading for my Libra, please? Un message de Please, thank you so much. Et ben là, je vois une grande fête. Il y a une grande fête qui se prépare. Ou encore, vous êtes ici invité à une très grande fête. Il y a quelque chose de très romantique qui risque de se passer lors d'une fête à laquelle vous êtes invité. Ce message n'est pas pour tout le monde, ok? So, il est important pour vous de rester sur vos gardes et de savoir que tout est possible, de savoir que, l'univers est plein de magie et que certains vœux, certains rêves peuvent se réaliser. D'accord? Il est important pour vous de savoir que vous pouvez être la Cendrillon de demain. Something like that. Angels, please give me a reading for my Libra. Thank you. Ok, so, les balances. J'ai encore sommeil. C'est l'heure d'aller dormir. Yep, les balances, il y a ici une surprise qui se prépare pour vous. Une très belle histoire qui se prépare pour vous. Je ne sais pas c'est qui s'appelle Dana. Dana, Nana, Tana, Tanae, Sana, Sanael, something like that. Ou Sama. Sam. Mais il y a une très grande surprise qui s'apprête pour vous, ok? On a ici les anges qui essayent de vous parler de cette surprise. On a ici les anges qui essayent de vous donner des signes quand il s'agit d'une surprise. On a ici des anges qui essayent de vous parler dans vos rêves. Mais pour une autre partie d'entre vous, il y a de très belles choses qui s'apprêtent à se révéler dans votre vie as well, ok? Tout autant dans vos finances que dans votre vie amoureuse. Le retour d'une personne. Le retour de quelqu'un. Pour certains, on a ici quelqu'un qui veut revenir vers vous et vous demander pardon. On a ici quelqu'un qui veut revenir vers vous et reconstruire avec vous. Mais c'est quelqu'un que vous attendez, quelqu'un que vous espérez revoir. Pour une autre partie d'entre vous, vous attendez le retour d'un voyageur. Vous attendez le retour de quelqu'un qui est parti très loin. Et on a ici quelqu'un qui revient vers vous avec une bonne nouvelle. Ou encore, on a ici quelqu'un qui
qui revient vers vous et qui se rend compte que l'herbe n'est pas si verte de l'autre côté de la montagne. D'accord? So, puis nous partons dans vous, si vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne et que, bon, la relation n'avait pas démarré, la connexion n'avait pas démarré, ou quelqu'un n'arrivait pas à se rendre compte de votre valeur. On a peut-être ici quelqu'un qui voyage ou qui a voyagé ou qui est parti loin, qui pensait à trouver meilleur ailleurs, dans un autre pays, cité, région, ville. Alors que peut-être que vous-même, vous êtes déjà d'une autre, vous êtes peut-être déjà d'une autre ville, cité, région, pays à soi, mais vous habitez plus proche de quelqu'un que prévu. On a ici quelqu'un donc qui revient de voyage, qui revient de loin. Et qui se rend compte que vous êtes celle-là même qu'il cherchait, celui-là même qu'elle cherchait. Il y a une connexion entre vous et une personne qui est une connexion magique. On a quelqu'un qui revient. Et qui se rend compte que il a laissé son bonheur derrière lui en partant chercher un bonheur ailleurs. On a quelqu'un qui veut être dans votre vie. Vous pouvez ici avoir affaire à un scorpion. Et on a les anges qui essayent de vous parler. On a les anges qui essayent de vous faire signe. Là. C'est l'heure d'aller dormir. On a ici des anges qui essayent de vous faire signe. Pour certains, vous avez fait des consultations, vous avez lu les as, vous avez lu vos cartes, vous avez écouté la musique. On a même les anges qui vous parlent dans la musique que vous écoutez. On a des signes surnaturels qui se passe autour de vous, mais vous n'arrivez pas à croire, vous ne voulez pas croire, vous sentez que peut-être que cette fois-ci c'est pour de bon, que peut-être que cette fois-ci c'est pour de vrai, et puis après vous doutez. On a ici quelqu'un qui revient et qui se demande pourquoi il est parti. On a ici quelqu'un qui revient et qui se dit je n'aurais pas dû partir. Une belle histoire d'amour. Pour certains, si vous êtes ici connecté à une personne qui est à distance de vous, ou si vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est parti en voyage, on a ici les anges qui disent que vous risquez d'être en couple avec cette personne dès que cette personne revient de voyage. Ou encore l'amour qui existe entre vous et une personne risque de se multiplier. Dès qu'une personne revient de voyage ou dès qu'une personne revient dans votre vie. On a ici quelqu'un qui revient dans votre vie et qui se rend compte que vous êtes the one, vous êtes celle-là même qu'il a toujours recherché dans sa vie. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui s'est toujours dit qu'il ne mariera jamais une personne de sa région, de son pays. Pour une autre partie d'entre vous, si vous espérez voyager bientôt ou encore si vous désirez voyager et que vous attendez une invitation, vous avez des papiers ou encore vous essayez de renouveler vos papiers pour pouvoir voyager. On a ici les anges qui disent que vous allez voyager pour rendre visite à quelqu'un que vous aimez ou encore vous allez voyager avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être qu'on a même ici quelqu'un qui vous a fait la promesse de voyager avec vous ou quelqu'un qui vous avait fait une promesse de voyager avec vous ou quelqu'un qui vous avait fait une promesse et quelqu'un qui va tenir sa promesse. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en bas de mon commentaire afin d'avoir accès à la suite.
Cette lecture sera la lecture numéro 240 sur Vimeo as well, ok? On a donc les scorpions. Surtout les scorpions. Les scorpions sont here. On a surtout les scorpions et on a peut-être cancer poisson ou cancer poisson ascendant, ok? Bisous, bye.